Anton Zandor l'avait, le pape noir, le docteur. Qui est donc cet homme qui a marqué le XXe siècle avec la fondation de son église de Satan? Spoiler alert, ce n'est pas un adorateur du diable. Le satanisme l'avéien est ce qu'on appelle un satanisme athée, qui ne croit pas en une divinité. Mais ça, on le verra au prochain épisode. Dans cette vidéo, nous parlerons uniquement de l'homme derrière tout ça. Anton Zandor LaVey, de son vrai nom Howard Stanton LaVey, est né à Chicago le 11 avril 1930 avant de vite déménager à San Francisco. Ce n'était pas un Américain pure souche. Ses grands-parents paternels étaient des Juifs français et ses grands-parents maternels étaient des Ukrainiens. C'est en partie grâce à sa grand-mère maternelle qu'il s'intéressa à la littérature fantastique, telle que Dracula ou Frankenstein, avec toutes les histoires et les légendes que les pays slaves regorgent et dont elle lui a conté. Je me demande s'il s'était intéressé à la littérature lovecraftienne, tiens. Il dévora quantité de livres sur le comportement humain, sur les pulsions individuelles, mais aussi sur l'hypnose. Anton était un artiste, et bien qu'il lisait beaucoup, l'école c'était pas fait pour lui. Alors il abandonna le lycée à l'âge de 16 ans pour entrer dans des cirques et des carnavals. D'abord comme homme à tout faire, garçon de camp, musicien, dompteur de fauves, mais aussi magicien. Il excellait dans tout ce qui concerne les tours de passe-passe. Et il en profitait pour analyser le comportement humain qui en résultait. Il joua beaucoup de musique, ses parents l'ayant poussé jeune à pratiquer, et il se familiarisa avec les claviers, notamment avec l'orgue. Et il était plutôt doué, peut-être même l'oreille absolue, car il était capable de reproduire facilement de la musique à l'oreille, sans avoir de partition. La musique était sa principale source de revenus pendant des années. Il joua dans des carnavals, des bars, des salons, des boîtes de nuit. Et c'est durant cette période qu'il aurait accompagné Marilyn Monroe sur scène, et il aurait même eu une courte relation avec. Mais Anton ne jouait pas seulement dans des lieux de fête, il jouait aussi à l'église le dimanche. C'est d'ailleurs là qu'il eut une révélation vis-à-vis de l'hypocrisie de la religion. Le samedi soir, quand il jouait de l'orgue dans les carnavals quand il avait 16 ans, il voyait des hommes, adultes, s'adonner à tous les excès. Alcool, nourriture, draguant et tripotant les danseuses à moitié nues. Et le lendemain matin, il revoyait ces mêmes hommes, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, demander à Dieu de les pardonner et de les libérer de leurs péchés. Et le samedi suivant, ils étaient de retour au carnaval, ne changeant pas leurs habitudes. C'est là qu'il comprit que la religion chrétienne n'était juste qu'une grosse fumisterie que personne ne respectait, que personne ne voulait vraiment. Car ce n'est pas dans la nature humaine de s'interdire d'accéder à ses propres besoins naturels, animaux, ce qui est la base de la religion chrétienne. Lors des périodes creuses des spectacles, il travaillait pour la police comme photographe, et pour éviter de se faire enrôler dans l'armée durant la guerre de Corée, il s'inscrivit au collège de San Francisco pour étudier la criminologie. Ses études et ses autres activités de saltimbanque lui ont permis de confirmer une vision sinistre de l'homme et de la stupidité de la religion. C'est durant cette même période, en 1950, qu'il se maria avec Carol Lansing, une gamine de 15 ans alors que lui en avait 20, et deux ans plus tard, ils eurent une fille du nom de Carla Maritza. Mais il n'est resté qu'une dizaine d'années avec Carole, avant de tomber amoureux de Diane Egarty, avec qui il ne se maria pas, bien qu'ils vécurent ensemble pendant 24 ans, et avec qui il eut une fille en 1963, Zina Galatea. Mais restons un peu plus longtemps dans les années 50. Il s'intéressa aux écrits d'Alistair Crowley, et rencontra les télémites de Berkeley. Mais il était un peu déçu. Il pensait trouver des cochonous organisateurs de grosses orgies, vu les penchants salaces de Crowley, mais tomba finalement plus sur un ordre spirituel que des vergondés. Mais ce n'est pas grave, car quelques années plus tard, il allait se faire plein de copains dans son propre cercle. Dans sa nouvelle demeure, une magnifique maison victorienne qu'il repeignit en noir, anciennement un bar clandestin et lieu d'activité plus 18, il fonda l'ordre du trapèze, les prémices de l'église de Satan. Anton était devenu une petite célébrité locale. Déjà en tant que musicien, il organisa de nombreuses petites sauteries avec d'autres célébrités, écrivains, cinéastes, acteurs. Ensuite, ben déjà qu'un mec avec une maison toute noire, ça se remarque. Mais en plus, le bougre possédait un putain de lion de compagnie. Mais ce qui le fit le plus remarquer, c'était ses activités avec le monde des ténèbres. Il hypnotisait, chassait des fantômes, faisait des enquêtes paranormales. Et comme les gens étaient déçus qu'ils disent qu'il n'y avait finalement rien de paranormal, il finit par inventer des explications fantasques pour impressionner son public. Il avait compris à quel point la croyance était importante dans la vie des gens, quitte à croire n'importe quoi pour se sentir exister.
il créa un cercle qu'il nomma le Magic Circle, où il présenta le vendredi soir des lectures occultes et discutait avec ses petits amis. Et un soir, l'un de ses membres fit remarquer qu'Anton possédait les bases d'une toute nouvelle religion. C'est ainsi que naquit, durant la nuit de Walpurgis, une ancienne fête païenne pour les cancres du fond de la classe, le 30 novembre 1966, l'église de Satan. À qui on offrait des vierges et des bébés en sacrifice? Non, je déconne. Pour résumer globalement, c'est une religion qui met en avant l'être humain, l'ego, l'individualisme, qui place l'humain en tant que divinité. Chacun est son propre dieu. Chacun doit vivre pleinement sa vie terrestre, ne doit pas être limité, bridé par une hypothétique vie après la mort. Les péchés capitaux que l'église chrétienne proscrit, l'église satanique pousse au contraire à les pratiquer, à ne rien s'interdire. Mais il faut tout de même rester raisonnable. Mais surtout, c'est une religion qui encourage la libération sexuelle, le libertinage, les sauteries avant le mariage, qui étaient encore mal vues à l'époque. En bref, une religion qui va à l'encontre de la chrétienté pour que nous puissions pleinement vivre notre vie sur Terre. Anton devint alors le pape noir et sa notoriété grandit encore plus. En véritable showman, il était partout, à la télé, dans les journaux. Il écrivit de nombreux livres sur sa nouvelle religion, le plus connu étant sa Bible satanique, ainsi que d'autres livres avec des titres bien putaclic. La sorcière satanique, les rituels sataniques, dont certains sont directement inspirés d'H.P. Lovecraft, les carnets du diable, et enfin Paroles de Satan, sorti post-mortem, et dont Marilyn Manson en personne en a écrit l'avant-propos. Il sortit également des albums de musique, dans lesquels il propageait sa philosophie, notamment avec l'album The Satanic Mace, qui avait comme couverture le fameux symbole du Baphomet, qui deviendra par la suite le symbole officiel de son église. On retrouve dans cet album une partie du rite du baptême de sa fille Zina qu'il pratiqua dans son église, ainsi que des lectures de sa Bible satanique, qui n'était pas encore sortie à l'époque, accompagnée de musique de Wagner, Beethoven, ainsi que d'autres grands musiciens. Il eut une grande influence dans la culture populaire, dans la musique, les livres, les films. Il était consultant pour le film Un bébé pour Rosemary de Roman Polanski, film qui mettait en scène une secte satanique, et il y aurait même joué le diable. Mais il disait sûrement ça pour se faire saucer. Ce n'est d'ailleurs pas le seul truc où il aurait menti. Sa fille publia quelques années plus tard une fiche d'information qui affirmait que nombreuses informations sur son père étaient fausses, comme sa relation avec Marilyn Monroe et son travail dans la police. Avant de mourir, Anton se sépara de sa seconde femme pour une nouvelle et dernière, Blanche Barton, qui devint d'ailleurs grande prêtresse de l'église de Satan à la place de sa précédente femme, et avec qui il eut un enfant du nom de Satan Xerxès Canarchy l'avait. Et il l'a eu à 63 ans, il était encore vaillant. Mais cela ne dura pas car il mourut en 1997 d'un œdème pulmonaire. Et chose cocasse, c'était dans un hôpital catholique qu'il fut emmené car c'était le plus proche. C'était peut-être pas une bonne idée en fait. Des funérailles secrètes furent organisées seulement sur invitation, puis son corps fut incinéré. Ainsi est mort Anton Zandor Lavey, le pape noir, fondateur de l'église de Satan, qu'il nous laisse en héritage. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. La prochaine fois, on parlera en détail de son église, de sa philosophie, de son histoire. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, vive Satan !